j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Ça faisait longtemps, mais ça y est, on est rentré de vacances, donc c'est parti. J'en ai eu pour 115 euros dans ce que je vais vous montrer, plus le café Nespresso, j'en ai pour une soixantaine d'euros. Et comme je les ai reçus, je me suis dit que j'allais inclure ça dans le retour de course, donc c'est parti. Déjà, en boisson, j'ai pris deux packs d'eau et... Non, trois packs d'eau ? Trois packs d'eau, je crois. Et... Trois ou deux, bah, bref, j'ai pris des packs d'eau, deux packs de lait et je crois que Mathias a rangé. J'ai pris un pack de 9 canettes de coca en boisson, c'est tout. J'ai pris aussi du sirop de citron et du sirop de cerise, j'avais envie de plusieurs sirops. J'ai repris un litre de, vous savez, d'huile pour friteuse. J'en ai pas besoin de plus parce qu'il m'en restait un petit peu pour renettoyer la friteuse. Voilà, ensuite là-dedans, j'ai repris des pâtes, j'ai repris des tagliatelles Barilla, j'ai pris des petites farfales comme ça, c'est des mini, et j'ai pris un petit truc de coquillette, pareil, Barilla. Ensuite j'ai pris quelques petits gâteaux, j'ai pris ça, des chocobars de la marque Repère, j'ai pris des petits cœurs. J'ai pris ça parce que des fois pour le café, Kinder Country. Hop. J'ai pris ça pour le café quand on a du monde, c'est des bons petits gâteaux collection suisse. Alors, Proustine, ce sont des biscuits meringués fourrage aux noisettes sur un lit de chocolat au lait. Et là, ce sont des Deli Coco biscuits meringués fondants à la noix de coco. Voilà, ça j'aime bien des fois quand on a du monde vite fait. J'ai repris du café pour la petite Nespresso. Vous savez qu'on a les deux Nespresso. Donc j'en ai pris deux subtils. Voilà, le deuxième. Et deux délicats. Le deuxième, je ne sais pas où. Ensuite, j'ai repris 1 kg de farine. Parce que je vais me remettre à refaire des gâteaux, hein, vu le temps de merde. J'ai repris 1 kg de sucre poudre. J'ai repris deux sachets de levure chimique pour les gâteaux. J'ai repris un pot de bolo pour faire des lasagnes. J'ai repris, alors je vais arrêter de dire j'ai repris, de la crème chantilly parce que je voudrais me faire des latte macchiato caramel. Du coup, j'ai repris du caramel comme ça aussi, de chez Régilé. Il est super bon. Et pour finir dans ce sac, je l'ai visé, c'est déjà le deuxième café. J'ai repris ça, c'est du Milka et à l'intérieur c'est tendre lait. Voilà. Et j'ai repris des petits concentrés de tomates. Voilà pour le premier sac. Je range ça et puis je vous reprends juste après. Ensuite, il reste la caisse. Alors, j'ai repris une boîte de conserve de petits pois, mais sans carottes parce que nous, on n'aime pas les petits pois carottes. J'ai repris des haricots verts. Une boîte de flageolets également. Et une boîte d'haricots rouges, comme ça, pour faire un chili ou je ne sais quoi. J'ai repris deux boîtes aussi de thon entier, comme ça. La marque Repère, ils sont très bien. C'est pas très, très cher, ça va. En viande, j'ai repris deux escalopes. J'ai pris de la viande à bourguignon. Je vais faire un bourguignon ce soir. Hop. Des œufs, j'en ai repris 20. Il n'y avait vraiment plus rien dans notre frigo, hein, de toute façon. J'ai repris un tube de maillot, je prends la Mora, la recette fouettée, moi j'aime bien. De la viande hachée pour les lasagnes. Ensuite, j'ai repris, ah j'ai oublié un truc pour mettre, c'est pas grave. Du bacon fumé. J'ai repris aussi de la vache qui rit parce qu'en plus elle était en promo, il y avait 30% sur la carte Leclerc. J'ai repris deux beurres et je prends toujours du beurre tendre en fait. Parce que pour le matin, la pâtisserie, etc., c'est plus facile. En entrée, j'ai pris du céleri et puis des carottes râpées. Et on aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai repris un tout petit peu de yaourt, mais je vais en refaire. Pareil, toujours la laitière aux fruits. Dedans, vous avez noix de coco, vanille, fraises et citron. Ils sont ultra bons, ceux-là. Hop. En compote, j'ai pris pomme banane, c'est notre favori. Et pomme rhubarbe. Ensuite, du gruyère râpé, deux paquets de lardons, que ce soit pour, j'aime bien en mettre dans le bourguignon, mais également dans des pâtes carbo, c'est très bien. J'ai pris une pâte feuilletée pour faire
une tarte saumon poireau. Et pour la tarte saumon poireau, je prends le saumon Eco Plus. C'est bien suffisant, pas la peine de mettre des millions. J'ai repris des muffins pour faire des eggs muffins. Et du pain de mie si on veut faire des croques ou pour manger comme ça. Hop. Ensuite, en fruits et légumes. Hop, je suis juste là. J'ai pris des poireaux, une boîte de poireaux pour faire la tarte. Ici. Là. J'ai repris des tomates rondes. Des bananes, j'en ai pris pas mal, je crois. Non, bah 5, 6. 6 bananes. J'ai pris des petits kiwis, mais des kiwis jaunes. J'avais envie de ça. Et j'ai pris des carottes propres. Je ne les ai pas pris non lavées. Je les ai pris lavées. Pour faire une purée pommes de terre carottes. Peut-être ce soir avec le bourguignon. Parce qu'il n'est pas encore trop tard, j'ai encore le temps. Voilà. Et puis donc en café, vous savez qu'on a la Nespresso Vertuo, donc la dernière. Et du coup, j'ai fait plutôt une grosse commande. En cadeau, on a eu ce petit lot-là. Là, vous avez le Bianco Leggero et le Bianco Forte. Et là-dedans, vous avez deux Chiaro, donc c'est des doubles expresso. Et là, c'est des 230 ml. Donc, c'est très, très bien. Sinon, alors, j'ai pris une Mexique pour goûter. Donc, ça, c'est des 230 ml. J'ai pris une Colombia. Caramel, une seule. J'ai pris 3 Arondio, donc ça c'est des 150. J'ai pris ça, j'ai pris 2 Bianco Leggero pour moi, donc ça c'est des 230. Et 3 Fortado pour Matt, pareil 150. Donc là on a le stock de café. Donc voilà, pour le retour de course, normalement j'ai rien oublié. Le pain, ma belle-mère m'en a apporté ce midi, donc j'ai pas eu à en acheter. Et puis voilà. Donc voilà, pour le retour de course, je pense pas que ça va nous faire le mois, mais ça va nous faire 15 jours. Donc voilà, je pense que vous en aurez un plus rapidement. De toute façon, comme d'habitude, ça y est, on est revenu de vacances, donc vous allez revoir les vidéos de d'habitude. Hein. Au moins un retour de course par mois, minimum. Des fois, je peux en faire deux. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Des fois, je le mets aussi dans le vlog. Donc voilà. Bref, je vous envoie des bisous. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.